vite, l'abbé. Monsieur François est proche de sa fin. Il demande à vous voir expressément. Monsieur François, quelle tête il a eue. Certes, il ne l'a pas totalement perdue. Mais ne soyez pas étonnés si par instant son esprit bat la campagne. Saint-Christophe, il ne sera pas parti sans s'être raccommodé avec le bon Dieu. Sache, ma bonne Amandine, que je n'ai jamais été fâché avec lui. Je t'ai fait peur. Ah, sois tranquille, vieille folle de messe. Ton Saint-Christophe ne me laissera pas partir. Un confessé. Bonjour, monsieur François. Comment va votre mal? Hélas, très bien. Conscient de mon état, le temps est venu d'une confession pleine et entière. Je souhaite parcourir une dernière fois les chemins pèlerins de ma vie. Voilà pourquoi je vous ai demandé, l'abbé. Grand merci d'être venu si tôt. Avec votre aide, la route sera moins longue et plus apparente les trappes et embûches que je dois avouer afin de me réconcilier avec mon Créateur. Amandine, apporte-moi mon bonnet de docteur en médecine, ma cordelière de franciscain, mon capuchon de bénédictin, ma barrette de curé, ma plume et mon encrier. Pose le tout sur le lit, à portée de ma main. Duquel, mon père, voulez-vous entendre les péchés du frère Cordelier, du moine bénédictin, du chanoine, du médecin, du philologue, ou de celui qui écrivit beaux contes et almanachs? L'homme, monsieur Rabelais. C'est l'homme que je veux entendre. Ah. L'homme. Je me suis souvent demandé ce qu'il était. Un philosophe d'autrefois a dit « L'homme est un bipède sans plume. » Il me souvient d'un tour qu'étudiant à Montpellier nous fîmes avec Rondelet. Une farce plus plaisante que grave. Vive la France! Et le roi aussi! Bravo! Voilà bien mes jeunes façons de traiter le roi de la basse-cour! Pauvre coq! Quel coq? Celui que tu as honteusement plumé vivant, sauvage! Ah, ce n'est pas un coq! Ne vous déplaise! Ecce homo, voici l'homme! Le bipède sans plume! Platon, le divin philosophe, nous invite à emplumer nos âmes! Ayons des ailes, mes frères! Ayons des ailes!
Ayons des ailes. Avant d'aller au ciel, les anges me paraîtront moins étranges. Hein? Allez, allez, Ansel. Ne perdons pas une minute avant que la Camarde nous surprenne. Non, mais prenez donc un coussin, l'abbé. Ayez de vos fesses miséricorde. Amandine, un coussin. Merci. Des questions d'âge, hein, plus tard vous les oublierez. La peau jaunit et durcit avec le temps. Vous verrez, l'abbé, elle se tanne comme vieux parchemin ou couverture d'antique micelle. Toute révérence gardée, procédons comme en l'Évangile, au commencement, mes géniteurs prirent grand plaisir à me forger. Laissez-vous aimer, vous aimer. Péché. Pas le moins du monde. Notre Sainte Mère, l'Église, permet aux époux mariés devant Dieu de jouir des agréments de la procréation. Ainsi engendré, de belles et joyeuses manières. Je croissais si douillettement au sein de ma mère qu'elle me porta dans son ventre plus longtemps que nature le prévoit communément. Enfin, c'était pour aujourd'hui. Refusant d'adorer d'autres dieux que notre Seigneur, devant lequel la terre tremble, la mer s'agite. Et toute créature vive dans la crainte de l'offenser. Sainte Marguerite fut jetée en prison. Pendant qu'elle était dans son cachot, Marguerite pria Jésus-Christ de lui montrer, sous une forme visible, l'ennemi qu'elle avait à combattre. Voici alors qu'un dragon effroyable lui apparut. Il lui mit sa gueule sur la tête, la langue sur le talon, et l'avala à l'instant. Mais pendant qu'il voulait l'absorber, elle lui déchira la gorge à l'aide d'une croix tenue entre ses mains et s'extirpa, saine et sauve, du ventre de la bête. On respire, dame Catherine. On pousse. Voilà 60 jours que je pousse en vain. Et soyez pas inquiète. Les femmes peuvent porter 11 mois et même davantage quand il s'agit d'un enfant pas ordinaire. Un futur grand personnage. Un chef-d'œuvre qui doit en son temps faire de grandes prouesses. Daignera-t-il enfin sortir? Courage, il n'est pas loin. Ma pauvre et sainte mère, en cette heure où je vais mourir et retrouver l'embrassement de la terre, notre mère à tous, j'ai grand remords d'avoir si mal parlé des femmes dans ma vie. J'en ai trop souvent dit pique-pendre. Je le regrette,
pour elle et d'autres qui m'ont aimé. Le voilà. Je vois sa tête. Encore un effort. Chasse-le. Chasse-le. Regardez comme il est beau. Oh. Il a tout ce qu'il faut là où il faut. Regardez comme il est beau. Rire même d'un enfant peut être diabolique. Je crains quelques maléfices. Ne dit-on pas que de méchantes fées volent les nouveau-nés dans les berceaux et les troquent contre de vieux lutins pour régénérer leur race? Mais n'en croyez rien, dame Catherine. Ce sont dictons d'un autre âge. Auquel ma mère croyait, auquel je crois aussi. Voilà ce qu'on a toujours raconté quand, en famille, on évoquait ma naissance. Je suis né en riant, comme le prophète, comme Zoroastre, et l'enfant divin qui doit sauver le monde dans Virgile. Connaissez-vous Virgile? Ma foi... Vous ne l'avez pas lu? Là, ce n'est Il faut être curieux, l'abbé. Vivre, grandir, s'instruire, ronger les livres, en sucer la moelle. Ah, les livres. Lire les livres. À en être ivre. J'ai tant aimé les livres. Maître Rabelais a un fils. Monsieur le prieur, vos pêcheries d'Alose rendent délicate, périlleuse, voire impossible la navigation des gabarres en Vienne à hauteur de votre abbaye. Au nom de quel droit empêchez-vous la libre circulation des marchandises sur une voie navigable? Au nom de quel droit fermez-vous un chemin que Dieu lui-même a créé? Du droit qui nous autorise à pêcher, saler, fumer, sécher quantité de poissons en prévision des jours maigres. Et du Saint Carême, durant lequel notre mère, la Sainte Église, nous commande au jeûne et à l'abstinence. Privation, abstinence. Carême. Ne dit-on pas comme un proverbe que l'ombre d'un monastère rend féconde les femmes alentour et qu'il y naît bien plus d'enfants 9 mois après le carême qu'en toute autre période de l'an? Maître Rabelais, vous avez un fils. Un fils! Un fils! Un fils! Est-il bien fait? Oui. Son fourniment, tout. Ses cheveux, ses yeux, noirs, ses oreilles, son nez, imposant. Par Dieu, on pourrait plus aisément sortir un paix d'un âne mort qu'une parole de ta bouche. Le mon fils. Bonjour, mon péton. Mon joli et petit enfanson. Voyez comme il est de belle venue, monsieur. Je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir donné un si beau fils. Il rit, mon bedon. Depuis quand rit-il? Dès qu'il a vu le jour. Est-ce ainsi que les enfants naissent? Au vrai, non.
Moi qui en ai mis au monde plus de 500, je n'en vis jamais rire de si tôt. Qu'est-ce à dire? Qui sera gai comme un pinson, joyeux comme un émerillon. Ben, réjouissons-nous, monsieur. J'en ai trop vu qui naissaient en pleurant, vivaient en geignant et mouraient pareillement. Nous l'appellerons François. François. Mon François. Comme tu portes bien le nom de ton saint patron, le frère joyeux. J'ai toujours aimé rire. Même dans l'adversité, toujours été bonhomme. Pour ce que rire est le propre de l'homme. Vous avez lu mes livres. Maître, je les tiens par cœur. Quand je suis mélancolique, souvent de fois, je me réconforte à la lecture de votre Pantagruel. J'ai ri toute ma vie. Le rire m'a sauvé. Savez-vous pourquoi? Non. La raison est qu'en riant, je n'ai jamais montré les dents. J'ai déployé ma gorge. Et celle de Gargantua, et celle de Pantagruel. Bien m'en a pris, je meurs dans mon lit. Tant d'autres de mes amis sur le bûcher ont péri. Appelez-vous Berquin. Le dit Berquin, reconnu coupable d'avoir écrit qu'il serait utile à la piété de traduire en langue vulgaire les livres sacrés pour les faire lire au peuple. Nous le condamnons à renier publiquement ses erreurs sur le parvis de Notre-Dame. Il aura la langue percée, le front marqué d'une fleur de lys et sera enfermé à perpétuité, sans avoir de quoi lire ou écrire. Avant lequel emprisonnement, il sera mené en place de grève pour voir brûler ses livres. Pauvre Berquin, homme un peu folle, courageux homme qui fit appel de la sentence et choisit la mort. Souffert la mort très dure. C'est bien raison que pour toi je l'endure. Sorbonne. Meurtrière Sorbonne. Tant de beaux livres brûlés, de corps suppliciés, d'âmes perdues, hein, de ce que tu fis passer pour hérétique. Il a reconnu son erreur avant de mourir. Je ne doute pas que son âme ait trouvé la paix.
Il a reconnu son erreur avant de mourir. Je ne doute pas que son âme ait trouvé la paix. Il a reconnu son erreur avant de mourir. Comment mentir avec tant d'impudence? Comment ose-t-il, après qu'un supplicié ait péri, répandre le bruit qu'il a chanté la gloire de ses juges sur le bûcher? Bertin brûlé, Jean de Catus brûlé comme un rançorin, au prétexte d'hérésie en faveur de la réforme. Donnet brûlé, homme mauvais, scandaleux, schismatique, hérétique, fauteur et défenseur des erreurs, pernicieux à la religion chrétienne. Tous trois meilleurs chrétiens que leur juge. Enfant de la folie qui estime que c'est un moins grand crime d'égorger 1000 hommes que de coudre une seule fois la chaussure d'un pauvre le dimanche. Déclenchant guerre, allumant brasier, ils ont mis l'Europe à feu et à sang. Comment ai-je pu échapper aux flammes ? Messieurs, messieurs, j'ai examiné, longuement pesé, les mots du livret de Maître François Rabelais. Grandes annales très véritables des gestes et merveilleux faits du grand Pantagruel, roi des Dipsodes. Il est vrai que ces chroniques paraissent tout d'abord innocentes. On y semble n'y traiter que de fariboles, de combats gigantesques, de moqueries sans conséquence. Mais comme tout empoisonneur, il sait cacher son impiété. En enveloppant ses propos amers sous la douceur mielée de farces et de rires. Le diable. Je défie quiconque de trouver en nul de mes écrits un seul rire canin, un seul rire méchant envers Dieu, mon divin créateur. Soit, mais ce Pantagruel, après plusieurs sentences captieuses et scandaleuses, s'efforce à ôter toute révérence au saint texte de l'Évangile. Au chapitre premier, la généalogie des géants est comparée en horrible sarcasme à celle du Christ. Il y a plus de 40 quarantaines de nuits, apparaît Chalbrotte, le premier des géants, qui engendra Sarabotte, qui engendra Faribotte, qui engendra Urtali. Qui fut beau mangeur de soupe et régna au temps du déluge. Qui engendra Appemouche, qui premier inventa de fumer la langue de bœuf. Qui engendra Gaïof, lequel avait les couilles du peuple et le vit en bois de cormier. N'est-ce pas là se moquer hautement de l'évangile de Matthieu ? Abraham engendra Isaac. 42 générations plus tard, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle Christ. Est-ce péché de parler ainsi des géants ? De les avoir ressuscités, de les faire vivre encore ? De méchants qu'ils étaient dans le Vieux Testament. Je les ai fait bons, je les ai fait rois, je les ai fait admirables. Plus géants seront, plus sages seront aussi. Quand sagesse règnera, elle sera grande et bonne. Lors, comme le dit Platon, les philosophes régneront, les rois philosopheront. Mais calmez-vous, vous vous faites du mal. Cela ne vous vaut rien de vous mettre en pareil état. Vous étiez plus serein quand vous nous parliez de votre père. Ah, mon père. Ah, quel homme bon. Ah, tant généreux. Ah, si charitable. Libre. Joyeux. Lui aussi. Ah, ne perdez jamais une occasion de montrer son heureux tempérament. Mes amis, laissons-la toute mélancolie et buvons à la santé de mon fils. Enlevez le coude, vous finirez par vous piquer le nez. Voyons, mamie, je ne bois guère plus qu'une éponge.
À peine autant qu'un templier. Mon petit couillon est de si belle fabrique qu'il me prend l'envie de vous en faire un autre sur le champ. Vous en avez de bonnes, les hommes. La nature n'est pas prête. Forçons-la, mon aimé. Parfois, je préférerais que vous l'eussiez coupé. Quoi ? Mon membre ! Nom d'une pique ! Faites apporter un couteau, si bon vous semble. Ah non, 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 non ! Non, 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 cette façon de dire. Tenez, mes amis, goûtez celui-ci. Le pinot de la Devinière. Un breton qui pointe croît en Bretagne. Il est à une oreille, bien drapé de bonne laine. Petite pluie à bas grand vent. L'aubellerie à Fès-Lorage. Je vais au cabaret, tout tourne, tout tourne. Souvent, on disait, buvons toujours, jamais nous ne mourrons. Amandine ? Oui ? Je suis trempé de la tête aux pieds. La fièvre mouille toutes les parties de mon corps. Elle me dessèche la gorge, ça, si je ne bois pas, hein, mes entrailles vont racornir. Je risque de mourir de soif avant d'être allé au bout de mon examen de conscience. Mon âme s'enfuira vers quelques mares ou grenouilles. L'âme, vous le savez, l'abbé, ne peut vivre en lieu sec. Hein? Amandine, ce n'est pas d'eau dont j'ai soif. Oh non, monsieur. Comment ça, non, monsieur ? Vin et fièvre ne font pas bon ménage. D'où t'as-tu cette ânerie ? Du médecin qui soigna mon pauvre père. Et qui ne le sauva pas de la mort, c'était donc un mauvais médecin. Serre-moi, s'il te plaît. Ainsi que l'abbé. Avec le vin divin, l'on devient. On boit peu, nous fait singe, beaucoup nous fait lion, et trop nous fait pauvre. À rouler sous la table et ronfler du groin. Voilà, pour les singes. À votre santé, l'abbé. Santé. Ne buvez pas la mienne, ce serait peine perdue. Quand je bois du vin clair, tout tourne, tout tourne. Ah, quel bon père il fut. On raconte qu'enfant, le géant Gargantua empruntait ce chemin quand il se promenait avec les garçons de son âge. Tiens, reposons-nous quelques instants. Ah. Toutes ces pierres enfoncées dans le sol sont autant de palets qu'il s'amusait à jeter pour savoir qui lancerait le plus loin. Comment savez-vous ? Je le tiens de mon père qu'il tenait du sien. Et moi, je te le répète pour que tu le dises à tes enfants. Toujours une seule idée en tête, me voir le surpasser en toute chose. Dépensant sans compter le temps qu'il arrachait à sa charge. Lui n'avait pas d'œuvre à écrire. Arrête, François, tu vas effrayer les poissons. Papa, regarde ! Oh, ceux-là, ce sont des... Vérons. Ils mesurent... 4 à 10 centimètres. Ils ont le dos... gris, le ventre blanc chez la femelle et rouge cuivré chez le mâle. Oh, regarde qui les chasse. Une truite, pardi. La truite se nourrit de... vers, insectes, mais aussi vérons, chabots et alevins de perche. Bien. Deux sortes de poissons peuplent mers et rivières. Ceux qui se laissent porter par le courant, ils sont la majorité, et les autres, moins nombreux, qui remontent à contre-courant. C'est plus pénible, mais que cela donne de force et de contentement. Mets bien ça dans ta tête. Il faut résister au courant, mon François. Aller à rebours. Toujours à rebours. Tu comprends ? À mort, la chèvre ! Oh ! Silence ! Silence !
Accusé, reconnaissez-vous avoir volé le bien d'autrui en laissant votre chèvre quitter le bord d'un chemin pour aller brouter l'herbe tendre d'un pré, propriété du requérant? Ma biquette est une pauvre créature que Dieu a faite simple et sans cervelle, monsieur le juge. L'envie était trop forte. Elle a rompu son lien et succombé à la tentation. Mensonge ! Mensonge ! L'animal a arraché son pieu que tu n'as pas suffisamment enfoncé en terre pour l'inciter à commettre son larcin. Oh ! Silence ! La parole est à la défense. Que vous dire, messire ? Ma tâche est bien difficile. Je pourrais étaler mes connaissances, invoquer le paragraphe caton, la loi frater, la loi gallus, la loi quinquepedum, la loi vinum, la loi sidominus, la loi mater, la loi mulier bona, la loi siquis, la loi pomponius, la loi fundi, la loi aptor, la loi pretor, la loi venditor et bien d'autres, dont le rappel userait ma salive en vains arguments et ne servirait en rien les intérêts de mon client, déjà condamné avant d'être jugé. Avant d'être jugé. Je te l'avais en bien dit. Ne recommence plus, fidèle, la prochaine fois. Ne pas. Ne recommence plus, hein. Pourquoi on va citer toutes ces lois si elles ne servent à rien? Question d'autorité, mon fils. Et aussi pour piquer ta curiosité. Les riches gagnent toujours, c'est pas juste. T'as déjà vu une toile d'araignée? Oui. Eh bien, la loi, c'est comme une toile d'araignée. Le piège est le même pour tous, mais les moucherons s'y prennent et les gros bourdons passent au travers. Si la loi se voulait juste, il la faudrait plus forte pour les frelons que pour les pauvres mouches. Que nous avons été heureux ensemble. Lui de m'instruire, moi d'apprendre. J'ai ici, entre mes cinq doigts, un trésor. Observons cette pomme avant de la déguster. Regarde. Les pépins sont disposés dans une étoile à une, deux, trois, quatre et cinq branches, comme sont cinq mes doigts. Comme sont cinq les pétales de fleurs du pommier, du poirier, de l'églantier, de tant d'autres arbres encore. Cinq, les branches de l'Astérina, une petite étoile de mer. Cinq, les dents de l'oursin. Ça veut dire qu'il y a cinq partout, mon père. Ce n'est pas sans cause que pinta, cinq, en grec, est le panta, qui veut dire tout. Cinq est donc tout et partout, comme le maintient Plutarque dans son traité sur les lettres. Alpha, bêta, delta, gamma, epsilon. La cinquième et mystérieuse lettre E, gravée au fronton du temple de Delphes. À quoi cela vous sert-il, mon père, de savoir tant de choses? À adorer Dieu. Il nous a mis en ce beau domicile qu'est la terre, en ce magnifique théâtre, pour contempler le ciel, les étoiles, l'air, la campagne, et l'eau, et les êtres qui y vivent, les animaux, les poissons, les plantes. Et le tout est composé de si grande harmonie et tant bien ordonné qu'il n'y a rien de plus beau en ces ténèbres qui nous apprennent plus qu'il est le Créateur, architecte de toutes choses. Hélas, tous les bonheurs ont une fin.
Un jour, le hasard m'éloigna de mon père et me conduisit vers d'inquiétants professeurs. Nous sommes lépreux. Ne sens-tu rien non plus? Nos chairs pourries étanchent leur pu dans nos plaies chancreuses. Nous puons si fortement que nous pouvons le souffrir nous-mêmes. Que faites-vous caché ici? Mais tu le vois bien! Nous traitons chanvre pour tresser cordes, y compris celles qui nous pendront. Qui parle se démasque? Seigneur Jésus, qui a purifié les lépreux et ressuscité Lazare, toi qui as réservé la meilleure place aux pauvres lavres dans le ciel, toi dont la face demeure visible sur le Saint-Suaire, aie pitié de tes frères, dont le sang et les sanilles impriment jusqu'à leur mort la toile des masques qui cachent leurs croûtes et leurs bubons. Comme toi? Comme tout homme en bonne santé, soucieux de le rester, François, ton saint patron, fumait les lépreux dans sa jeunesse. Il était riche et il leur faisait l'aumône. Et il déposait son obole loin d'eux afin de ne pas les approcher. Un jour, est-ce Dieu qui le lui commanda? Il ne se détourna pas de l'un de ces malheureux qu'il croisa sur son chemin. Il descendit de cheval et l'embrassa. Dès lors, je décidai de marcher dans les pas du grand saint, mon modèle. Celui qui prêchait aux loups, parlait aux oiseaux. J'abandonnai mes jeux d'enfant et pris l'habitude de m'enfoncer chaque jour sous terre pour voir mes nouveaux amis. Vois comme on fait les nœuds dans les ceintures des franciscains. Le premier symbolise le vœu de pauvreté. Le deuxième, le vœu de chasteté, et le troisième, d'obéissance. Si un jour tu deviens moine cordelier, tu revêtiras le sac et la corde, et jamais, jamais ne courras les chemins de monastère en monastère, comme font les moines goliards, qui chantent les femmes et le vin. In taberna, quando suhumus.
Hercule fit jaillir du sein de Junon une goutte de lait dont la trace est suivie par les pèlerins. Car, le sais-tu, François, elle s'étale jusqu'en Galice. Les savants disent que ce chemin de Saint-Jacques est constitué d'une multitude de petites étoiles. Vois-tu le petit pousset ? Où ? Près de la troisième étoile du timon du grand chariot. C'est le nain menant le char du roi Arthur qui contient toutes les âmes des morts. À minuit, la charrette culera en faisant grand bruit et libérera tous ceux qui reviennent sur terre. Soleil, soleil, tu n'as pas de soleil, tu fais pousser les feuilles du jour. Chien, foireur, pétard, morveux, brumeux, merdeux, que le feu de Saint-Antoine te brûle au cul si tu ne torches mon trou du cul. Meilleure torche-cul qu'un oiseau duveteux, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes, crainte qu'il ne morde de son bec et griffe de ses ergots. Le saviez-vous, mon père ? Parfois non. Comme tu vois, on en apprend à tout âge. Dis-moi, quels sont ces arbres ? Des frênes. Du latin fraxinus, la foudre. Car isolé, il attire la foudre. Les lances des soldats romains étaient faites ? En bois de frêne. Bien. À quoi les distingues-tu ? Tronc droit, écorce lisse, feuilles vert foncé sur le dessus, pâle sur le dessous. Un frêne peut vivre 200 ans, parfois beaucoup plus. Quelle chance ! Pourquoi les hommes ne vivent-ils pas autant ? Parce que Dieu, dans sa bonté, nous veut vivre dans son paradis. Est-ce urgent ? Il est si bien ici. Père, hier soir, j'ai bien vu les étoiles et entendu leurs histoires. Mais je me pose une question. Laquelle ? Si Dieu a fabriqué une boîte ornée d'étoiles dans laquelle nous vivons, dans quoi est-elle, cette boîte ? Et si ce dans quoi est très, très grand ne s'arrête jamais, à quelle place Dieu se tient-il ? Dedans ou ailleurs ? Parfois. Vous ne savez donc pas tout, mon père ? Un jour, je me ferai faire une grande corde par mes amis les lépreux et je monterai jusqu'au ciel à interroger Dieu le Père. S'il donne sa langue au chat comme vous, je monterai plus haut encore. De cet enfant, j'apprends chaque jour. Il a l'esprit aigu, subtil, curieux. Il s'enflamme à la vitesse du vent qui met le feu dans les brandes. Il est temps de le confier aux moines de l'abbaye de Seuilly. Moi, je n'ai plus rien à lui enseigner. Plus tard, nous verrons l'oncle Frappin. Il connaît bien les cordeliers de la Baumette. Il nous dira à quel âge ils pourront l'accueillir en leur couvent. Approche, Amandine. Dis à l'abbé quel amour tu portes à l'oncle Frappin. En ce temps, j'économiserai ma salive. Il était une fois... un aubergiste, Monsieur Frappin, auteur de chansons lestes, de beaux et joyeux Noël. Les écoliers et les gens du peuple venaient dans sa salle basse boire avec un drôle d'oiseau qui se nommait Boitrou. « Croquepi, croquepi !» criait-il quand les verres étaient vides. « Croquepi, croquepi !» Patience, Boitrou. Patience, disait Saint-Laurent sur son grill. Oh yeah, bonjour.
Oyez, bonnes gens, oyez le récit de l'horrible guerre dans laquelle Goitrou se couvrit de gloire par un beau jour d'avril. En ce temps-là, il avait deux yeux et vue perçante. Voyant par la fenêtre un vol de ses comparses, il s'échappa de la maison et rejoignit leur folle troupe au-dessus des toits. Reviens, Goitrou ! Reviens ! Oui, Goitrou, je t'enjoignais de rentrer dans ta cage, car je fus pris d'un mauvais pressentiment et tremblais de tous mes membres quand Philomène, la pie de Bawar, mon voisin le barbier, s'envola à ta suite à la tête d'une volée de ses congénères. Soudain, masqué par une nuée d'oiseaux, l'astre du jour s'obscurcit comme en l'apocalypse. Un malheur est à venir sur terre. Dans le ciel, devenu noir en plein midi, commença la grande bataille de la fin du monde. Les oiseaux morts jonchèrent le sol par dizaines, par centaines. Victorieux ! Victorieux ! Mais contrarié d'avoir perdu main compagnon, le bon Goitrou rentra, fâché des guerres, tout échiné, un œil poché et l'autre clos. Sache-le, François, il est des victoires plus amères, plus pleurées des mers que des revers. Faisant sa tête des mauvais jours, il répéta la voix éteinte. Et depuis, toujours comme moi, ne cesse de boire. Croque-épi, chantonnait le guet du roi, découvrant l'ennemi conduit par le duc François. Nul breton ne revint de la bataille de Saint-Aubin, vaincu par les épées de Charles et ses chevaliers. Que Dieu ait pitié des bretons, car la pie est aux couleurs de leur fanion, blanche et noire, comme la vie est triste et gaie, rire et pleure. Je vous salue, frère gardien. Dieu vous bénisse, monsieur Frappin. Voici le jeune homme dont je vous ai parlé. Bienvenue, petit frère. Quel âge as-tu ? 14 ans. Ainsi, petit moineau, tu veux devenir moinillon ? Oui, messire. Frère. Frère, nous sommes. Frère, nous nous appelons. Oui, frère. C'est bien. Quelque chose me dit que tu es curieux. Et plus savant que les garçons de ton âge. Il sait lire, écrire, compter. Il connaît ses prières et a des rudiments, quelques savoirs. Saint-François aussi savait lire et écrire. Il estimait les théologiens qui nous aident à comprendre la parole de Dieu. Mais science sans conscience conduit à orgueil et hérésie. Regarde mon doigt. Beaucoup d'écrits prennent ce chemin. Ils sont mis à l'index,
tout n'est pas bon à lire. Il est même de méchants livres. L'important, mon petit frère, n'est pas que tu deviennes un puits de science, mais que tu sois semblable à ton saint patron. Doux, humble de cœur, joyeux et pas trop savant. Comme lui, comme nous, tu devras être pauvre parmi les pauvres, travailler de tes mains, tenir pour méprisables les honneurs de ce monde. Si tu promets de t'efforcer chaque jour d'imiter le Christ, c'est avec une grande et sainte joie que nous t'accueillerons parmi nous. Je promets. Regarde le ciel et tends les bras. Chantez, oiseaux. Portez bien haut votre louange au Seigneur qui appelle François à rejoindre notre famille. Voici le temps de nous séparer. Monsieur Frappin, Maître Rabelais. Tiens. Je viendrai te voir à Pâques. D'ici là, s'il te manque je ne sais quelle chose que nous aurions oublié, tu pourras toujours faire appel à l'oncle Frappin. Frappin, et non point Frappard. Vite, papa. Le frère gardien m'attend. Réfectoire comme au dortoir, la règle est le silence. Assieds-toi là. Écoute bien, frère lecteur. Pour toi, en ton honneur, il lira le bon poème de saint François. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Lune, et les étoiles dans le ciel. Tu les as formées claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre,
qui nous porte et nous nourrit et produit la diversité des fruits avec les fleurs, diaprées et les herbes. Loué sois-tu, Monseigneur, pour ce rôle qui est très utile et très sage, précieux et charmant. Loué sois-tu, Monseigneur, pour ceux qui pardonnent par amour et supportent épreuves et maladies. Loué sois-tu, Monseigneur, pour notre sœur la mort, à qui nul vivant ne peut échapper. De l'enfer. Autant de venentibus. Oh ça. Hors de moi. Mamie, ne pleurez pas. Vous l'auriez vu si joyeux quand les oiseaux gazouillaient pour lui souhaiter la bienvenue. Comme l'hirondelle qui pousse ses petits à prendre leur essor et les chasse du nid lorsqu'ils sont bien emplumés. Je me gouvernais au son de la cloche par laquelle, heure par heure, tout était réglé. Coucher, réveil, office, récréation, repas. Saint Paul a dit, je suis semblable aux raclures de la vaisselle du monde, à la souillure de l'univers. Voici ce qu'il était. Voilà ce que nous sommes. De la saleté. Ou pire encore, des lavures. Où vas-tu? Tu n'as pas fini!
Ah, bonjour, frère François. Bonjour, frère Coupchou. Tu vois, c'est pas compliqué. Pas besoin d'être docteur en théologie pour savoir labourer. Regarde, tu mets le pied sur la bêche. Tu appuies de tout ton poids pour l'enfoncer dans le sol. Tu soulèves la motte et la retournes sans chercher à la briser. Le gel s'en chargera durant l'hiver. J'aime la saison des labours. Sais-tu que Jésus apparut à Marie-Madeleine devant son tombeau vide, une bêche à la main, comme Saint Fiacre, le patron des jardiniers. Voilà pourquoi on dit que les cimetières sont les jardins des morts. Si j'observais sans trop de peine la loi de la vie communautaire, il m'arrivait parfois de me rebeller. Ne soyez pas étonné comme fondeur de cloche, l'abbé. Je ne suis pas toujours garçon sage. Ne se croirait-on pas en enfer ? Saint Thomas a écrit que ceux qui lavent le linge, que ce soit l'ange ou linceul, sont condamnés au feu éternel. La nuit, il m'arrive de rêver que je suis mort et que je brûle dans les flammes. La mort. La mort, toujours la mort, vous n'avez que ce mot dans la bouche. Les frères ne doivent-ils pas être gais, aimables et joyeux dans le Seigneur ? Chaque âge de la vie a ses humeurs et ses tempéraments. Vieillesse est mélancolique. Si elle n'use chaque jour d'une certaine gaieté d'esprit qui méprise les choses fortuites. La jeunesse est sanguine, souvent colérique, toujours impatiente. L'alphabet grec est composé de 24 lettres. Combien de consonnes ? 17. Et de voyelles ? 7. Voyons si tu ne les as pas apprises comme un perroquet. Alpha, chi, oméga, lambda, mu, iota, delta, epsilon, upsilon, pi, bêta, phi, zi, zeta, tau, sigma, psi, kappa, gamma, omicron, eta, nu, theta, rho. Bien, très, très, très bien. Pour te récompenser, je vais te montrer un trésor. Je le cache car il a des ennemis dans tous les monastères. Vois comme il est beau. Surtout, sache combien il est précieux. C'est le livre absolu. La Bible écrite dans sa langue originelle, le grec. Qui n'a pas lu cette Bible ne comprend rien à la chrétienté. Surtout ne te glorifie jamais de l'avoir vue. Jamais. Même si on t'interroge ? Je venirai jusqu'au bout. C'est bien, François. Mentir n'est pas toujours un péché. Il me voulait savant en dépit des frères Fredon. Savez-vous, l'abbé, qui sont les frères Fredon ? Je l'ai lu dans vos livres. Aux offices et aux processions, ils fredonnent les psaumes entre leurs dents sans chercher à comprendre, agitant les oreilles comme des ânes. Leurs âmes sont à l'office, mais leur corps encore au lit. Ou déjà en cuisine, hein, où les attendent boudins, andouilles, saucissons, fricandeaux et caillettes, pain béni, foisse, gâteaux et galettes. Amandine ? Oui ? Fais-nous les frères Fredon. Oh non, monsieur. Oh, donne-moi ce plaisir. Oh,
de pluie. Ah ouais. C'est pitié que Dieu nous l'ait pris. Tu entends ? Le coucou ? Le coucou. Rosé de mai ? C'est tout beau ou tout laid. Mai en rosé abondant. Rend le paysan en content. De mai, chaude et douce pluie. Ses belles fleurs et riches pies. Bien. Maria gratia plena dominus tecum benedicta tum in mulieribus. Regarde François, ce sont pétales d'or de rose de mai. Mais sans rose, rend l'âme morose. L'alchimie, le grec, tout apprendre, tout savoir, tout lire, tout dire et de tout rire. Illusion d'adolescent. Que d'innocence, que de rêve, que de croyances trompées, que d'espérance déçue. Mon noviciat terminé, ma jeunesse perdue, je fus admis au couvent du Puy-Saint-Martin à Fontenay-le-Comte. J'ai rencontré Pierre l'ami, l'ami Pierre, en vérité qui me fit dévorer maintes langues anciennes. Grâce à lui, je fus remarqué par le savant Budé, celui qui mieux que personne savait le grec et conciliait doctes études et hautes fonctions de secrétaire du noble roi François. Écoute, François, la recommandation du grand Budé. Saluez de ma part votre frère en religion et en science. Saluez quatre fois en mon nom le gentil et savant Rabelais. Ou de vive voix s'il est près de vous, ou par écrit s'il est absent. Quel honneur et quel bonheur. Te rends-tu compte, Pierre ? Il a la bonté de ne pas mépriser mon petit savoir. C'est aussi grâce à Pierre que je puis fréquenter d'élégants esprits. Le président Bouchard, le juge Tiraco, notable Poitevin. Ah, ces deux-là, amis et ennemis à la fois. Joutant, lance dressée. Sur un plaisant terrain, la femme.
Ils me firent juge de ce galant tournoi, comme si moi, mieux comme du monde, connaissais l'omnipuissant sexe féminin. N'avez-vous pas écrit que la femme est inférieure à l'homme ? À elle d'obéir, à lui de commander ? Nature le veut ainsi. La force et la raison sont le partage de l'homme, qu'en dit notre gentil moine. Le divin Platon ne sait en quel rang les placer. Celui des animaux raisonnables ou celui des bêtes sauvages. Nature leur a posé dans le corps, en un lieu interne et secret, un organe absent chez l'homme, et par lequel sont engendrées certaines humeurs salées, âcres, mordicantes, lancinantes et chatouillantes. Un animal dont le frétillement douloureux ébranle leur corps, ravit leur sens et altère leur pensée. Et si nature ne leur eût orné le front d'un peu de honte, vous les verriez courir la braguette comme des forcenés. Cependant, je remarque qu'avec l'aide de Dieu, certaines de nos sœurs deviennent des êtres supérieurs. Parfois plus savantes, plus doctes, plus sages, plus hardies et courageuses que bien des couillons d'hommes. Parlons du mariage. Vous osez soutenir qu'il faut choisir une femme ni trop belle ni trop laide, dont la condition soit en rapport avec celle où l'on se trouve soi-même. Et j'ajoute qu'il convient de fuir l'hymen des veuves et des filles déjà mûres. Notre bien-aimé frère est-il de mon avis ? Je tâterai volontiers des femmes mûres comme des fruits en leur bonne saison. Quant aux veuves... Je hais plus que tout le mariage des veuves et je jure que je préférerais en besogner 10 vierges qu'une seule veuve. Votre plume aérée, écrivant que la femme a pour domaine le jardin, pour outil la quenouille. Que le mari ne doit permettre à son épouse de se considérer comme son égal. Il peut prendre conseil auprès d'elle, mais qu'il se garde bien de lui découvrir ses secrets. Je dis aussi que l'époux qui veut être aimé de sa femme l'aime en retour et lui soit strictement fidèle. À condition qu'elle le soit aussi. Messieurs, voilà chose bien difficile. Déjà Ève, notre mère, ne fit-elle pas porter le bois à Adam ? J'instruirai un jour le pesant dossier de la femme infidèle. Des cornes, de la confrérie des cornards, et du bon Joseph, patron des cocus. Il y a dans ces cornes d'abondance de grands mystères. J'en écrirai un beau et ample livre, tout en cornes ubistilufiées, si Dieu me sauve des farfadets. Les farfadets. Pire que les fredons. Pourquoi porte-t-il tant de haine à ceux qu'un honnête désir d'apprendre et de tout savoir tient éveillé ? Que craignent-ils des langues tant anciennes que modernes, dont l'étude porte le si beau nom de philologie ? À Fontenay le Comte, frère Artus Constant était le plus terrible de tous. Toujours articulant, sans cesse diabliquant. Cachez-vous ces livres maudits qui sont en votre possession. Quels livres maudits ?
Un tel livre, nous n'en possédons point. Et celui-ci ? Il n'y a là nulle malédiction, il est d'Erasme, le vrai serviteur évangélique que sa sainteté le pape reçoit. Frère ! Et ça ? Ça, mon frère, c'est Platon. Nous voici en lieu et place de Socrate dans sa cellule. Lui attendait la mort. On lui apporte le poison. La mer s'igue. Et il se mit à chanter. Son chant du cygne. Sentant qu'il leur faut mourir, les cygnes chantent leur joie de s'en aller auprès de Dieu, dont ils sont les serviteurs. Pierre. Il est trop tôt pour nous de chanter. Je suis altéré de nature et la crainte du feu me dessèche la gorge. Crois-tu en un sauveur ? Est un jardin sans fleurs. Bien sombre et bien essoufflé, Budet. Quel diable fuyez-vous ? Sire, nos savants moines Rabelais et Pierre Lamy sont inquiétés en leur habit de Fontenay, où leur érudition et leur indépendance d'esprit effraient les cordeliers.
Vous les voici vexés de mille manières à cause de leur zèle pour la langue grecque par leurs propres frères, ennemis jurés de toute littérature et de toute élégance. Corbudet. Ces moines stupides et grossiers ont poussé l'aveuglement jusqu'à poursuivre de leurs calomnies ceux dont le savoir devrait honorer leur communauté tout entière. Ils veulent les faire passer pour hérétiques. Ils les traitent avec un excès d'inhumanité, soutenus en cela par les théologiens de la Sorbonne, qui font des conciliabules pour proscrire la langue d'Homère, qu'ils jugent pleine d'impiété. Nous sommes prévenus des agissements de la Sorbonne. Quelle peine endurent nos deux amis ? Ils sont mis au secret, sire. Privés de livres, d'encre et de papier. Connaissant par expérience la fureur de ces insensés, je crains le pire, mon frère. Ils ne se contenteront pas de cet enfermement. Partez tranquille, Budé. Faites savoir à nos amis que le Lys et la Marguerite les protègent. Des ordres seront donnés afin que liberté d'agir et d'étudier leur soit rendue. Engagez-les à se remettre au travail avec un nouveau zèle. Ce troupeau d'ignorants a déclaré la guerre à tous ceux saisis, comme ils le disent, de la fureur de l'hellénisme. Ils jurent, mon frère, d'anéantir le culte des lettres grecques, restauré depuis quelque temps à l'éternel honneur de votre royaume. Et te fasse le nez comme j'ai la cuisse. Tu pardonnes et te réjouis trop vite, François. Nous sommes nous libres et tranquilles. Tu méconnais les farfadets. Ces persécuteurs n'en ont pas fini de nous persécuter. Bien que nous soyons sous l'aile, mieux même, à l'ombre des pétales de la toute-puissante Marguerite, sœur de notre grand roi. Fasse le ciel qu'il ne puisse les feuiller jusqu'au pas du tout. À l'imitation des anciens, prenons conseil de Virgile. Et où Fouguet croudait l'Estéras, Fouguet lit tout Savaron. Ah, fuis ces terres cruelles, fuis ce rivage avare. Je t'en conjure, François, ne méprisons pas l'avertissement de l'oracle. Ainsi, j'abandonnais le chemin caillouteux de Saint-François et pris la route moins rude qui conduisait vers Saint-Benoît. Je me réfugiais à l'abbaye de Maizet pour échapper à l'austérité de la règle des frères mineurs. Oui, qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter entre frères, tous ensemble, et d'être unis. François, que viens-tu chercher ici ? Une vie humble et soumise à la règle de Saint-Benoît. Une existence tout entière consacrée à la prière, au travail et à l'étude de la parole de Dieu. Dans la crainte de mon divin plasmateur, sans tirer vaine gloire des petits dons qu'en son immense bonté il a daigné me faire. Lève-toi, frère François.
Sois le bienvenu en mon prieuré. Loin de l'abbaye, tu pourras travailler dans la chambre du donjon, de matine à l'aude, sans que t'interrompe le sempiternel trimballement des cloches. Tu vivras ici en bonne et docte compagnie. Trouveras bon livre, bon fruit et bon vin. Il y aurait aussi pour moi honneur, plaisir et avantage à ce que tu sois à mes côtés lors des visites de mon diocèse, mes terres, mes abbayes et le château de Rivaux. Ce sera pour toi occasion de découvrir cet autre monde, sans murs ni murmures. Qui attend-lui, François? Le texte parle-t-il de la façon dont les anciens se lavaient les mains? Il y a de longs chapitres en la matière dans le traité du banquet des sages, écrit par Athénée de Nocratie. Maître, nous vous écoutons. On y apprend que pour les ablutions d'avant et après banquet, les mains ne sont pas plongées dans l'eau, mais l'eau y est versée dessus. Et que pour absorber la graisse au cours du repas, on roule entre ses doigts des boulettes de mie de pain que l'on jette aux chiens. Aux chiens, mais aussi aux parasites. Picassiettes et bouffons qui échangeaient bon mot contre bon morceau. Oh, oh. Mon neveu, nous tenons enfin le savant homme qui sera ton précepteur et saura, avec l'aide de Dieu, te rendre docte en philosophie. Et quoi encore ? Philologie, théologie, droit, musique, poésie, mathématiques, arithmétique, géométrie, astronomie. Et anguescience surtout. Quelle belle vie j'ai connue à Ligugé, Amandine. Du printemps jusqu'à l'automne, je parcourais le diocèse à la découverte de ce monde promis sans murs ni murmures. Et l'hiver, je ne cessais d'apprendre, d'écrire, travailler sans relâche dans la petite chambre du donjon. Très illustre.
très valeureux champions, gentilshommes et autres, qui volontiers vous a donné toute gentillesse et honnêteté. Vous avez naguère lu, vu et su les grandes et inestimables chroniques de l'énorme géant Gargantua. Et comme vrai fidèle, ils avaient cru galantement. C'est ainsi qu'à minuit, naquit et vint au jour mon géant Pantagruel, fils de Gargantua, fils de Grand Gousier, descendant en droite ligne de celui qui accompagnait Noé dans son arche, lui-même engendré par les femmes et les anges rebelles. Si, Amandine, tu peux m'en croire. Je n'invente rien. Ah, merci encore, mon Dieu. Oui, ce fut une belle vie. Pour un moine, auteur de beaux contes. Pourquoi n'êtes-vous point resté dans ce paradis ? Eh bien, il me manquait de ne pouvoir m'instruire en la science que je ne possédais pas encore, la médecine. Voilà la raison pour laquelle, une fois de plus, j'enfreignis la règle, jeté aux orties mon froc de bénédictin, revêtis la tenue des prêtres séculiers, m'enfuis à Paris et puis à la faculté de Montpellier. Et pour satisfaire mon impérieux besoin de pénétrer plus avant dans le secret de la vie. Moi, François Rabelais, de Chinon, diocèse de Tours, me suis rendu ici à l'effet d'étudier la médecine et me suis choisi pour parrain l'illustre Jean Chiron, docteur et régent dans cette université. Je promets observer tous les statuts de la dite faculté de médecine, lesquels sont d'ordinaire gardés par ceux qui ont, de bonne foi, donné leur nom et prêté serment suivant l'usage. Et sur ce, signe de ma propre main, ce 17e jour de septembre, l'an 1530 de notre Seigneur. À Montpellier aussi, vous prîtes du bon temps. Il n'était pas interdit de mêler études et divertissements. Comédie de celui qui avait épousé une femme muette. Guillaume, un homme fraîchement marié, avait pris jeune et jolie femme. Hélas, hélas, docteur, ma Guillemette est muette. Non, muette, mais muette. Comme une carte. Et que ne le remarquiez-vous autant des fiançailles? Si fait, je le remarquais, mais elle est si jolie. Je ne pensais qu'au plaisir du mariage, au miel que me donnerait sa lune. Oui, aujourd'hui que la concupiscence charnelle est réfrénée, que Maître Jean Jouan est plus souvent au fond des chaussettes qu'au sommet de la braguette. Vos oreilles se sont réveillées, vous entendez son silence. Oui, maître. Est-elle sourde autant qu'elle est muette? Car il n'y a pas de pire muet que celui ou celle qui jamais n'entendit. Oh non, point sourde. Elle a l'ouïe si fine qu'elle entendrait une mouche péter dans un sac de farine. Oh, 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 oh. En ce cas, tout espoir est permis. Ce sera un jeu pour moi de lui délier la langue. Oh, merci. Merci. Grand merci, merci. Femme muette a des inconvénients, mais ne manque pas d'avantages. Délier la langue d'une commère présage des lendemains amers. Il n'est de pire fléau qu'une femme bavarde. Procédons à l'exérèse de votre encyclie sublinguale. Autrement dit, coupons ce filet, ouvrez la bouche.
Là, là, plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Ah. Ah, là, là, là. Je suis tant reconnaissante de m'avoir donné la parole. Ma vie entière, je bénirai et couvrirai de louanges les médecins, chirurgiens et apothicaires, barbiers, étudistes, épilateurs, arracheurs de dents, charlatans, ébatteurs, escarboteurs de merde qui soignent nos maladies, nous sauvent de la malmort. Oh, et vous, mon bon, oh, mon aimant, mon charitable, mon délectable, oh, mon irremplaçable époux, je peux enfin vous ouvrir mon cœur. Plus que moi-même, je vous aime. Mon lapin gris, mon pigeon doré, mon poussin rose, mon grand filou, et tant d'autres noms gentils qu'amour susurre au creux de mon oreille. Dans mon palais, ma langue danse. Je la sens. Babillante, balbutiante, hilarante, riante, contente, riante. Maître. Vous avez demandé de lui donner la parole, mais ne pas tant la lui donner. Vous, dont l'art est immense, pouvez-vous refermer cette porte que vous avez grande ouverte? Hélas, je n'en ai pas les clés. Nous avons des remèdes pour faire parler les femmes, aucun pour les faire taire. Je suis un homme mort! Au bavardage des femmes, il n'est qu'un palliatif, un mari sourd. Sourd? Sourd pour de bon? À jamais sourd? À moitié sourd me suffirait, rien que pour elle. Filou, amour si doux, mon agneau, mon gros loup. Non, non, il ne peut vous jouir, madame, à sa demande. Je viens lui couper les oreilles. Pourquoi, paillard, pourquoi supposes-tu de pêcher à ma peau? Voyant qu'elle ne pourrait jamais plus faire entendre, Guillemette devint enragée, réclamant en vain son salaire à un sourd, le médecin jeta une poudre sur le dos du mari, par vertu de laquelle il devint fou, le mari fou et la femme enragée se mirent d'accord pour le rosser. Il reçut du bâton 1072 coups et sa peau fut si trouée qu'on ne put la tanner. Bien fait. Autant en échoir à tous ceux qui des femmes médisent. La vie est courte, l'art est long, l'occasion fugitive, l'expérience trompeuse, le jugement difficile. Or, il faut non seulement se montrer soi-même accomplissant son devoir, mais aussi faire que le malade, les assistants et les éléments extérieurs accomplissent le leur. Hippocrate nous enseigne que dans les dérangements du ventre et dans les vomissements qui arrivent spontanément, si ce qui doit être évacué est évacué comme il se doit, c'est bénéfique et les malades le supportent facilement. François, qu'en dit le manuscrit? Maître, j'y lis autre chose. Hippocrate écrit non pas évacué, mais catéro, purgé. Si ce qui doit être purgé est purgé comme il se doit. Voilà donc notre texte purgé et expurgé. Grâce vous en soit rendue, François. Messieurs, de tous les inconvénients que peuvent entraîner les mauvaises traductions des textes tant ornés et tant beaux que nous a légués l'Antiquité, les gloses ineptes de certains de nos prédécesseurs, méconnaissant tout des langues dans lesquelles ces œuvres furent écrites, le pire est celui qui porte sur les ouvrages de médecine. Que de malheurs, de souffrances, d'infirmités, que de morts, messieurs. Un mot mal traduit, une syllabe oubliée ou rajoutée, un accent déplacé ou changé font d'une drogue salutaire un poison. N'est-ce pas, François? Maître, si les mauvaises traductions des saintes écritures empoisonnent les âmes, qu'il me soit permis de comparer le sacré au profane et dire qu'il est sacrilège
d'abandonner le soin des corps à des ignorants. Ayant brillamment commenté les aphorismes d'Hippocrate et l'art de Galien, témoignez à quel point il possède ces deux grands génies de la médecine, défendu et disputé les thèses qu'il nous a soumises, répondu aux questions qui lui ont été posées, François Rabelais de Chinon, diocèse de Tours, est promu au grade de bachelier ce 1er jour de novembre de l'an de grâce 1530. Félicite, François. Merci, maître. Ce diplôme te permet, sans avoir le titre de médecin, d'exercer la pratique médicale, sous réserve de t'engager à ne le faire qu'hors les murs de notre bonne ville de Montpellier et ses faubourgs. Et oxydé Cain. Vade et oxydé Cain. Vade et oxydé Cain. Va chercher fortune où tu voudras, François. Toi aussi poursuis celui qui est marqué du signe qui le condamne à vivre et à errer de par le monde. Sois médecin, tue-le. Celui-là qui le premier invite à la mort sur terre. À la semblance de Cain, l'errant, le vagabond maudit par l'Éternel, je ne pouvais rester longtemps dans le même lieu. Le monde entier m'attirait. Et en premier lieu, l'Athénée des Gaules, Lyon, et ses bons imprimeurs. J'espérais faire éditer les épîtres médicinales de Manardi. Mais de cela, je vous parlerai demain. Bonsoir, l'abbé. Je vous remercie de m'avoir écouté tout ce jour avec tant de bonté. Il me faut cette nuit réviser mon passé d'adulte, répéter mon rôle, pour mieux vous jouer l'insigne farce de ma vie d'homme. Préférez-vous pas que je demeure près de vous? Dormez tranquille, l'abbé, je ne partirai pas que je n'ai confessé mes fautes, toutes mes fautes, et comme bon pèlerin reçu le saint viatique. Le médecin que je suis vous le promet, ça n'est pas pour cette nuit. Eh bien, bonne nuit, monsieur. Amandine, sens-tu ce que je sens? L'encens? Ah non, 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 non. Non, non, c'est l'abbé. Il pue comme 100 000 diables. En puanti du parfum des péchés qu'il absout. Monsieur François. Les moines mangent la merde du monde en leurs abbayes, ils n'en sont pas incommodés, pas plus que les curés à confesse. Note au passage que ce mot est le plus laid en notre belle langue. Con et fesse. Oh, monsieur François! Demain retarde la venue de ce confesseur qui n'empeste pas ma chambre sitôt libérée de sa messe. Sauf votre respect, vous ne savez plus ce que vous dites. Oh, tu te trompes. Je n'ai pas encore perdu la tête. Je la sens même plus claire, plus vive, en approchant de l'éternel repos. Je vois
le règne de l'Esprit arrivé. Un nouvel évangile, le cinquième, va descendre du ciel pour mettre un terme, selon l'abbé de Fiore, à notre monde, créé d'un mélange d'esprit et de matière, de lumière et de ténèbres que nous devons séparer. Ce monde dont il nous faut hâter la fin. Car il est mauvais. Vous blasphémez. La terre n'est-elle pas créée des mains du bon Dieu? Je vois s'étendre l'obscurité sur elle. Plus que d'éclipses ou de nuits naturelles. Terre, en ces temps, demeurera déserte. Quand sonnera l'heure de sa ruine et sa perte. Que trembles-tu? Est-ce l'heure du jugement qui t'effraie? Toi, tu n'as rien à craindre. Ta bonne âme ira droit au ciel, rejoindre les élus. Tu retrouveras là-haut tous ceux que tu as aimés. Y serais-je? Allume une chandelle. La lumière dissipe les esprits mauvais, réjouit le cœur et réconforte. Luttons contre les ténèbres. Il sera bien temps de nous y habituer.